Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais faire des dorades. Donc je les ai vidées tout à l'heure. J'ai fait une vidéo, hein, si vous voulez, vous trouverez sur ma chaîne. Donc elles sont vidées. Je vais les saler, les poivrer à l'extérieur, des deux côtés et à l'intérieur. Extérieur, de l'autre côté et à l'intérieur. Voilà. La même chose avec le poivre. Voilà. Donc, je vais les faire à l'anis. Donc, j'ai de la badiane. Je vais prendre deux badianes. Une. Deux badianes. Voilà. Je vais en mettre une dans le ventre des poissons. Que ça touche bien la peau. Et je les referme comme il faut. Voilà. Je vais mettre un oignon que je vais couper en quatre. Je me suis fait mal à un bras. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est pour ça que j'ai moins de force. Ah, voilà. Voilà, donc des petits oignons au fond. Donc il vous faut une dorade par personne. Si c'est des adultes, hein, si c'est des enfants, voilà, un demi-oignon, ça suffit. Je vais mettre une cuillère à soupe. On peut mettre du pontarlier, on peut mettre du ricard, on peut mettre de l'anisette, on peut mettre du pastis, mais qu'une cuillère à soupe, c'est tout, hein. Voilà, donc je vais mettre de l'eau au fond du plat. Pas besoin de beaucoup, hein. Vous voyez, il y en a très peu. Et je vais mettre ma fameuse cuillère d'anis. Voilà. L'eau, elle se trouble un peu. Je sais pas si vous voyez, mais l'eau, elle se trouble un petit peu. On va mélanger tout ça. Donc pour mélanger, c'est simple, hein. On bouge l'eau qui est au fond. Mais une seule cuillère, ça suffit largement. Hein. Faut que ça soit parfumé, mais pas imbibé. Hein. Donc, une badiane dans chaque poisson. Une cuillère à soupe de pontarlier avec un peu d'eau au fond. Des oignons et je vais remettre 3-4 petites tomates cerises sur le dessus. Voilà, donc je rajoute mes petites tomates, cerises, et c'est prêt à aller au four. Donc là, je vais préchauffer mon four à 180 degrés et je vais les laisser entre 30 et 40 minutes. Comme tous les fours sont différents, contrôlez bien qu'elles ne soient pas trop cuites, brunes. Il ne faut pas que ça colore beaucoup, hein. Il faut juste qu'elles soient cuites. Voilà, alors on récapitule. Les deux poissons, un demi-oignon coupé en morceaux, 3-4 petites tomates cerises. On met de l'eau au fond du plat. On sale, on poivre nos poissons. Et on met une cuillère à soupe uniquement dans l'eau et une badiane à l'intérieur des poissons. Voilà. À tout à l'heure à la sortie du four.